Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, veuillez faire entrer la salle. Bonsoir. T'imagines, tu fais l'intro comme ça? Ah ouais, merde, c'est en sans collision. Alors aujourd'hui, la salle, petit balou, body parcours en Krieger. Par contre, what is this shit? Enfin, parcours, une course. Hein. Et on va faire des wall ride, la salle aujourd'hui. Voilà, c'est le thème. Le thème, c'est tout simplement. Wall ride sur wall ride sur wall ride sur wall ride sur wall ride et sur wall ride. Donc ça va être des grands wall rides. Ok, wow. Ouh. Ah ouais. Ok, heureusement que effectivement il y avait le truc. Hein. Wow, wow. T'es en train de monter toi aussi la salle? Ouais. Ok. Tu penses pas aller à fond? Bah moi je vais à fond, mais ça s'arrête quand? Ah ouais, bah, écoute, je suis en train de monter. C'est bon. Waouh, ah ouais, c'était magnifique. Bon, là, c'était plus un looping. Enfin, si, c'était un looping wall ride, quoi. Mais disons que c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Oh là là, tu sais que j'ai failli descendre. Hein. T'es pas descendu dans le trou. D'ailleurs, la salle, oh, t'as... l'accident. Oh, c'est quoi ça, la salle? J'ai fait un accident de ouf. Ok, je t'ai vu faire l'accident, du coup j'ai ralenti un peu. Par contre, regarde ce qui nous attend. Je veux dire, là il y a de. Waouh! Regarde s'il te plaît la salle là-bas. T'as vu les loopings? Non, où ça? Oh shit, ça commence. Ok. On va essayer de le faire à fond. Alors techniquement, si on va là, on devrait être bon. Tu le fais à fond aussi? Bah ouais. C'est-à-dire faut pas que je ralentisse quoi. Wow, ya, mon crâne est en train de fumer la salle. Ya. Wow, d'accord, tu m'as rattrapé. C'est-à-dire tu vas encore plus à fond que moi quoi. Ah bah j'y vais vraiment à fond quoi. Ok. Wow. Ok, parce qu'en fait ça me fait peur parce que tu vois là. À un moment donné, je suis près du bord moi, je sais pas toi. Ouais. Wow, didi dadou dadi. Et enfin, le dernier point. Waouh, c'était magnifique. Honnêtement, incroyable. Et bah écoutez, les gars. Non, c'est bon. Wow. Faut que je tombe sur le point. Parce que là, à mon avis, le parcours n'est pas. Ah, si, bah je vois le point final de la salle. I can see the point final. Oui, déjà. Ouais, par contre, le parcours magnifique. Hein. Ouais, ouais, enfin, magnifique. La course est stylée, les gars. Vachement stylée. Bon voilà, faut pas avoir peur des loopings, hein, j'ai envie de dire. Parce que je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on avait fait les loopings de la salle casse-cou, on tombait à chaque fois dans les loopings parce qu'il fallait prendre bien le looping. En fait, faut le prendre un peu sur le côté. Parce que si tu prends pas sur le côté, tu sors du looping. Exact. Mais bon voilà, première course plutôt réussie. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour la deuxième course, mes amis. À tout de suite. Bon, et bien, des gars, digou, dagou, on se retrouve la salle tout simplement pour la deuxième course. J'ai mis deux tours, voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas c'est le même créateur. Et ça c'est plutôt pas mal. Parce que déjà la course d'avant était magnifique. Donc techniquement la salle, on est censé avoir le même style ou le même genre de création. C'est à dire une création qui va nous surprendre. Sûrement voilà. Oula, par contre c'est vrai qu'ici j'ai du mal à tourner. Je sais pas toi la salle. Les buissons ils stoppent net. Ouais, t'as vu, c'est bizarre sur PS4. Je sais pas si ça fait ça la salle. Hein. Moins. Ouais, ouais, non, c'est peut-être parce qu'on est sur PC ou je sais pas, mais en tout cas, les gars. Waouh. Ah ouais. Oui, d'accord, oui, faut prévenir. Oui. Oui, la salle. Sumata, bien sûr. Waouh, y'a du premier coup, je sais pas toi. Ah bah ouais. Bah ouais. Ok, c'était déjà pas mal stylé, hein, ce petit tour. Ok, doucement les gars. Oula, faire quoi là? Bah rien. Ça, c'est tout? Ouais. J'ai cru aussi qu'il fallait faire un truc et en fait rien. Attends, me dis pas qu'on revient en arrière là. Ah. C'est pour ça qu'en fait qu'il a mis en collision la salle, c'est parce qu'en fait si on est plusieurs... C'est un face-to-face. C'est un face-to-face et ça,
Mais t'imagines un face-to-face comme ça peut être vachement stylé quand même. Ouais, mais tu verrais pas. Bah c'est, du Tu coup tu verrais serais pas les gens surpris si tu vois arriver, quoi. quelqu'un quoi. Ouais. Ok, bon par contre tu vois t'es en train de foncer, t'as l'enfonceur. J'ai fait un accident. Un gros accident. Ok, t'as fait un accident mais pour l'instant je te rattrape toujours pas. C'est qui? Ok, doucement les gars, doucement, tout doux les gars, tout doux. Faut vraiment pas foncer parce que si vous foncez tel un fonceur, eh bien vous risquez de tomber. Et si vous tombez, et si vous percutez des choses comme là, regardez-moi, voilà, je vous ai dit direct, je vais foncer sur un truc, je vais foncer sur un poteau, tu vois. Je sais, je le sais que je vais foncer sur ce poteau, mais par contre je ne ralentis pas. Ouais, par contre les boosts. Voilà, c'est bon. Ok. Ça passe. Nickel. Tu trouves pas un truc bizarre sur le wallride? Dis-moi. Bah les couleurs. T'as pas l'impression que c'est les couleurs de custom que tu fais tout le temps? Ah si. Le vert et le violet qui vont pas ensemble? Effectivement. Par contre, je viens de faire un truc, j'ai failli rattraper le wallride, mais je l'ai pas fait. T'es tombé aussi? Non, non. Ah bah je suis passé en première position. Ok, bah je suis tombé moi. Wouah, c'est quoi ça? C'est bizarre parce que le deuxième tour, la salle, bah je vois Non, pas. non. T'es en sans collision là ou pas? Ouais. Non. Ah, donc on va se foncer dedans là. Incessamment sous peu. Voilà. Ah bah t'as de la chance hein. T'as de la chance parce que t'es tombé. Bah t'es tombé un peu. Bah vas-y hein, tu peux finir hein, parce qu'on a déjà fait le tour. Mais par contre c'est bizarre parce que là. Attendez, normalement faut les prendre là comme ça. Sur le côté. Pour pas tomber. Voilà, ok. Ouais en fait je le prenais mal avant quoi les gars. Je le prenais mal. Faut le prendre genre ici. Voilà. Et là vous êtes bon. Ok, et ben on se retrouve les gars pour la deux dernière course du jour. Et c'est encore une fois le même créateur. Donc à tout de suite pour la dernière course. Et c'est parti, let's go pour la dernière course. En espérant pas faire n'importe quoi. Par contre, celui à la salle, c'est un hard wall ride. Je te le dis. Last race. C'est un hard wall ride. Apparemment, Okay, man, no hard problem. watch run. Il a dit alors hard natural wall ride la salle. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, rassure-toi, on est carré, on est casé. Ok. Je vois que monsieur prend les bords. Attends, là, je piche pas. Ah oui, d'accord. Je m'attendais à un parcours hard, j'allais monter sur le truc, tu sais. Ouais, bah pareil, je pensais aussi qu'il fallait faire ça, mais non. Je crois que le wallride il est plus. Ok. T'as raison de prendre les bords, hein, Wow. ça nous permet de. Ah! Wow. Ah ouais. Ah, c'est stylé. Tombé? Non, non. Ah, c'était stylé par contre, hein. C'est Le tout? wallride le. Ah, d'accord. Shit. Ah. 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 La salle? Effectivement. Eh bien écoutez les gars, ce wall ride fut si court qu'il soit court. Voilà. Il était magnifique. Bon, on aurait dû mettre deux tours. Mais en tout cas. On n'a pas stressé, on est passé du premier coup, la salle et moi. Bon, je veux dire, logique, en même temps, il était assez. Bon, franchement, il n'était pas trop hard, honnêtement. Il n'était pas trop hard. Mais je pense qu'un débutant, il aurait quand même des difficultés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça peut être un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça va les jamais. Ciao, ciao.